Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tour salière, 3220, depuis le parking du lac des Maussons, qui est là-bas. Donc, lac des Maussons, j'ai suivi le sentier balisé jusqu'à Combe des Fonds, et après, suivre des cairns jusqu'à l'épaule. Depuis, à l'épaule, j'ai changé de chaussures, j'ai mis les chaussures d'alpinisme, le casque et tout, puis j'ai suivi l'arête est-sud-est du tour salière. Donc il s'agit d'un itinéraire d'alpinisme. Hein. Donc c'est un T6 niveau randonnée, soit cotation alpinisme PD. Donc il y a plein d'endroits complètement exposés. Donc voilà, il faut faire vraiment, vraiment attention. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de sortie T6, il ne faut vraiment pas venir ici. Hein. Pas du tout. Il y a plein d'endroits où une chute, il s'est fini. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, smashez le like button, insérez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis maintenant, je vais descendre l'arête par où je suis monté très 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 doucement. Parce que c'est à la descente qu'il faut faire gaffe. Vraiment extrêmement gaffe. Ciao! Donc, on pose le vélo ici à Barberine. 3 km après le parking. Donc ça, c'est le sentier qui monte au col de Barberine. Et ça, c'est le sentier qui continue vers la Combe des Fonds, qui est là-bas. Le sentier balisé s'arrête ici. Et puis maintenant, on va continuer comme ça, passer derrière la barre aux choses par la droite. Et puis après, passer sous la face sud, comme ça, traverser vers l'épaule. Et puis finalement, l'arête sud-est de la tour salière. Donc là, j'ai fait un peu le con parce que le chemin normal, il passe par là. Puis moi, je suis monté ici tout droit. Ouais, très raide, hein? pas top. Mais j'espère retrouver le chemin un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui...
Donc la première fois que je suis venu à l'épaule, je suis rentré là-dedans avec Sarah, puis nous avons monté par le sud. Mais aujourd'hui, je vais monter ici dans ce périphérier et puis partir à droite. Je crois que c'est plus simple. Avec Sarah, t'es tout le temps ici avec nous. Alors d'ici, maintenant je me dirige là-bas, c'est l'épaule, et puis après l'arête est-sud-est. Et puis si on vient dans ces coins-là, si on a les yeux ouverts, on peut trouver des choses assez incroyables. Ce fossile-là, c'est juste magnifique. Panorama l'épaule de la tour Salière 3011. Et voilà, la tour Salière ici devant. Une pierre en haut. Cairn. Encore un couloir avec des passages du degré 2. Et puis voilà, je continue. Il faut jamais perdre les cairns, hein. Jamais. Dès qu'on voit pas une, il faut. Donc, encore une cairn là et encore un couloir à escalader.
Donc c'était encore un couloir à monter avec des passages de degré 2, mais complètement exposé. Panorama Tour Salière, 3220 mètres. Et voilà, là on voit bien l'arête est-sud-est. Donc j'ai mis environ 45 minutes pour monter, donc depuis l'épaule, et environ une demi-heure pour descendre. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention. Mais ça passe, mais... Donc pour la montée, je suis passé là à gauche, hein. Et puis j'ai longé dans la face, mais c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien.
Donc il faut vraiment suivre ce sentier-là. Puis j'ai perdu les cairns et j'ai continué comme ça. Parce que ça avait l'air bien. Mais finalement, c'est ici, au niveau de ces barres aux choses, on passe là, à droite. Et puis ça passe très bien. Franchement, ça passe très bien. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Donc ici. Donc en fait, il faut toujours rester à droite, en montant la rivière, là. Tout le temps à droite. Je sais pas pourquoi je suis parti à gauche là ce matin. Enfin. Et le retour au VTT. Ici à Barberine.